Mais qu'est-ce que tu fais, vieux? Ton costume? Ah non, en tout cas, c'est dans mon sac. C'est jour J, hein? Ouais, non, allez, regarde. Ah, mais je vous reconnais, je vous ai déjà vu à la télé. Moi? À la télé? Sur la 3. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Sur la 3? Non, sur la 2. Mais oui, c'était un film de super-héros, je pense. Bien ça. Ah, c'est tout à fait possible, oui. Ouais, c'est vrai que je suis un peu connu comme étant le super-héros de la didactique, ici à l'université. Mais je dis n'importe quoi, là. Allez, concentre-toi. Mais c'est quoi votre rôle, en fait, à l'université? Bah, en fait, c'est simple. Avec mes collaborateurs, donc à l'unité de didactique de la chimie, on s'intéresse aux problèmes qui viennent du terrain, les problèmes des professeurs, les problèmes des élèves. Alors, on analyse la situation, on analyse le phénomène, on essaie de trouver des explications, on essaie de comprendre. Et après, évidemment, on essaie de proposer des pistes concrètes pour éviter ces problèmes-là, en fait. Alors, ça peut, y a un peu de tout, hein. Donc, par exemple, moi, je m'intéresse plus aux symboles chimiques, au fait que ça existe dans le quotidien et que finalement, c'est donc important de pouvoir comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais certains de mes collègues, par contre, s'intéressent plus à tout ce qui est les travaux pratiques et essaient de rendre ça un peu plus intéressant, de mettre un peu de NACL dans leur vie étudiantine, si vous voulez. Bon, écoutez, ravi d'avoir fait votre connaissance, c'était un plaisir. Mais bon, moi, je vais vous laisser parce que plus de quelques heures avant la revue, là, il faut qu'on peaufine les derniers détails. Bon, et en plus, Florent n'a pas son costume, donc on y va. Merci beaucoup, au revoir. Bam 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 b